Cristal Union a mis en place le programme Atout Jeune. L'objectif ? Sensibiliser et former de jeunes planteurs à la gouvernance coopérative. Le programme Atout Jeune, c'est une réflexion naturelle du conseil d'administration. L'avenir de Cristal Union, ce sont les jeunes agriculteurs. Et l'objectif, c'est de donner les moyens à ces jeunes de s'impliquer dans les centres de décision de demain. Concrètement, on a fait appel à une société qui est spécialisée dans ce genre de formation. Et il propose toute une série de thèmes aux jeunes agriculteurs, par exemple la gouvernance, l'analyse financière, l'agriculture de demain. Et c'est lors de la première réunion de formation que l'animateur définit avec les jeunes les thèmes qui seront travaillés pendant l'année de formation. Ce qui m'a attiré, c'est justement de pouvoir me retrouver avec des collaborateurs de différentes sections de Cristal Union. Même si on produit tous de la betterave, on a des problématiques régionales toutes différentes. Alors, je suis très satisfait de cette formation. C'est vrai qu'on en ressort grandi, un peu plus épanoui. J'en ai appris beaucoup sur la coopérative, que ce soit sur son historique, son fonctionnement, le pragmatisme qu'il faut employer pour prendre des décisions. Je pense que cette formation pourra m'être utile, par exemple, pour nous avoir un projet individuel d'exploitation à présenter en fin de parcours. Dans cette formation, il y a 4 journées experts qu'on a choisies tous ensemble le premier jour où on s'est retrouvés. Moi, j'ai beaucoup aimé la journée sur la gouvernance de la coopérative. Je trouvais ça très, très enrichissant. J'ai bien aimé aussi la visite de Cristanol à Bazancourt. Cette formation m'a permis, par le biais d'un thème sur la communication, de savoir m'exprimer un peu mieux pour vanter mieux mon métier d'agriculteur. Cela nous a fait prendre conscience qu'il est très important pour la coopérative qu'il y ait des jeunes qui s'engagent pour assurer l'avenir et la pérennité de la coopérative. J'ai participé à plusieurs réunions avec les 14 jeunes. Et je trouve qu'il y a un très bon niveau d'implication, de très bons échanges. D'ores et déjà, je peux vous dire qu'il y aura des jeunes qui feront partie au moins des conseils de section et peut-être du conseil d'administration de Cristal Union demain.